Félicitations à Roland pour la réussite de cette belle journée. À chaque fois, c'est un plaisir de se retrouver ici tous ensemble. La voix du bon sens nous vient d'Italie. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, a récemment déclaré « Je suis payé par les Italiens pour aider à procréer et fonder une famille, pas pour les remplacer par de jeunes Africains. » Il enfonce ainsi le clou, car il avait déjà affirmé « Un pays qui ne fait pas d'enfants est destiné à mourir. » Nous avons créé un ministère de la famille pour travailler sur la fécondité, les crèches, sur un système fiscal qui prenne en compte les familles nombreuses. À la fin de ce mandat, le gouvernement sera jugé sur le nombre de nouveau-nés plus que sur sa dette publique. L'actuel gouvernement italien s'inscrit ainsi, sans complexe, et il faut l'en féliciter, dans la droite ligne de la politique mise en place par Mussolini. Le Duce, en effet, oui, mérite les applaudissements. Le Duce, en provoquant la construction de nombreux hôpitaux et cliniques, permit une lutte efficace contre certaines maladies et la mortalité infantile, qui se montait à 70 000 décès en 1925. Et chuta à 20 000 en 1930. Ce qui faisait dire à Gandhi, oui, Gandhi, le Duce est un homme d'État de premier plan, complètement désintéressé. Ça, c'est une phrase qu'on devrait indiquer à certains historiens. Ça leur ferait du bien pour voir clair. À noter que Mussolini, qui avait une vaste culture historique et voulait s'inscrire dans la tradition romaine, s'inspirait directement de la politique nataliste de l'empereur Auguste, il y a 2000 ans, qui avait imposé des taxes spéciales aux célibataires au-delà de 25 ans. Dans l'Italie fasciste, chaque ménage recevait une prime pour l'arrivée d'un nouveau-né. Aujourd'hui, et les Italiens assument sans complexe l'héritage, j'ai souvent eu l'occasion de le vérifier. Aujourd'hui, la Russie de Poutine s'inscrit dans la même logique. Un capital maternel prévoit 9000 roubles pour la naissance du deuxième enfant et de larges facilités financières pour l'acquisition d'un logement. Les familles ont vu leurs revenus multipliés par 2,2 en 10 ans et le taux de fécondité est en progrès. Ainsi, en Russie comme en Italie, les dirigeants ont pris conscience que la démographie est un avenir vital pour l'avenir d'un pays. Évidemment, en France, est un facteur vital, pardon, pour l'avenir d'un pays. Évidemment, en France, on est loin du compte, alors que nous sommes envahis par des gens qui mettent en application la prophétie de Wari Boumediene, c'est le ventre de nos femmes qui nous offrira la victoire. On peut le vérifier tous les jours dans les rues. Et le plus grave, peut-être, à mon sens en tout cas,
c'est que les Français de souche, ceux que j'appelle volontiers les Gaulois, sont enfermés dans un individualisme, un égoïsme qui fait qu'ils se contrefichent de tout ce qui n'est pas leur petit confort matériel, leur distraction débile, voire le cirque de la Coupe mondiale de foot qui a vu le triomphe d'une équipe africaine badigeonnée en bleu. Bref, une façon de vivre totalement viciée par le modèle occidental, c'est-à-dire l'américanisme. Posons-nous la question. Un peuple qui sacrifie ses enfants à naître et envoie au Panthéon le cadavre d'une Simone Veil mérite-t-il de survivre ? Heureusement, il reste des communautés qui ont gardé le sens des valeurs de vie. Je vais peut-être surprendre certains de mes amis, mais peu importe. Car c'est pourquoi, en fonction de ce que je viens de dire à l'instant, je conseille vivement à mes camarades de prendre exemple sur des catholiques traditionnalistes dont les familles nombreuses offrent un spectacle qui réchauffe le cœur. Mon cher ami Escada. Les beaux discours sur l'identité, c'est très bien. Mais les peuples européens n'auront un avenir que s'ils font des enfants, beaucoup d'enfants. C'est pourquoi, pour faire face à la guerre qui nous est faite par ceux qui veulent détruire notre terre et notre peuple, la bataille de la natalité est la plus décisive de toutes. J'appelle donc tous ceux qui veulent que la France, la vraie France, la France réelle, existe encore demain, à unir leurs efforts, au-delà des différences philosophiques ou religieuses, qui n'ont finalement aucune importance relative. C'est à mes 4 arrière-petits-enfants, j'espère que la liste va s'allonger d'ailleurs, c'est à mes 4 arrière-petits-enfants que je pense en prononçant ces mots, puisque c'est d'abord pour eux que je me bats.